Pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir trop de trucs de pété, hein. Prions pour que ça reste. Ce serait un miracle quand même que tout soit équilibré day one. Je dirais que les trucs pétés, c'est surtout les certains items. En fait, le seul truc qu'ils ont équilibré pour moi, c'est les items radiants. Le problème, c'est que les items radiants utilitaires comme Shroud Zephyr, c'est tellement toxique. Merci. Les Zephyr, non seulement c'est 10 secondes, mais en plus ça donne 25% d'aide. Merci Bardou pour le 5e mois. Et merci Kram pour le 4e mois. Merci Charlie pour le 4e mois également. Bienvenue les gens. Et merci les items utilitaires sont bien au-dessus des tout dans items, tes on va dire, carry. Merci beaucoup pour ton abonnement. Il y a eu un post comme quoi, j'en merci pour le soutien. J'espère que ça se passe à Solari. Alors, il y a Tom Tomo qui écrit en caps dans mon chat « I'm so fresh, stream s'il te plaît ». Je te le préviens juste parce que je suis son messager, donc il fait bien écrire. Voilà, voilà. Merci, c'est très gentil. Un peu scammer dans la T-Live, pomper les strats, le tout gratos. Oh, le petit prime il régale en vrai. Je peux même mettre des émotes maintenant si tu veux. Oh, ça je reconnais. C'est aussi pour ça, il y a la dernière Shonzi Parrot. Première en gif. Il y en aura d'autres, on en aura quelques-unes encore. Imso plus stream à cause de Zididi. Pourquoi il s'est passé quoi? Il s'est passé quoi Imso avec Zididi? Apparemment il t'a insulté hier. Hein? Avec Zididi? Il est arrivé en vocal, il a été trop relou. je lui ai crié par ta gueule. Mais c'est rien, aujourd'hui on s'est parlé. J'avais la pire. Ah ouais, genre il y avait eu vilaine embrouille et... Non, c'était pas une embrouille. Il arrivait, raconte. Il m'a dit putain, il joue encore Vel'Koz lui, alors que c'était la première fois de la soirée oh. que je jouais. Et il arrivait au moment où genre, tu sais, j'ai fait un rolldown au set, je prenais vraiment ce qui passait, j'ai eu le pire start, il gardait 50 pierres sur mon bench, j'ai rien trouvé. Bon bref, c'était la pire game, il arrive, il me dit ça, tu sais, en plein milieu de la game, je lui dis ferme ta putain de gueule, je l'ai mute. Ah oui. Ah oui. Ah putain, j'ai pété un câble. En vrai, ça faisait 3 games que je me faisais entre guillemets flame, genre ça me disait t'es un turbo et roller, ah oui, à chaque fois que j'avais un perso légendaire, ça me pingait et tout genre. C'est horrible, j'ai l'impression que je ne sais pas jouer. Du coup maintenant les gens ne disent plus rien. Ça c'était mérité ou pas? C'était pas mérité. Plus le droit de faire même ça. Volta? Bah. Il est AFK. Walter Rux from Toulouse. Mais genre c'est rien, c'est... Ils sont fous. C'est quoi pour vous le meilleur item du jeu à l'heure actuelle? Oh, il me devient choisir un. Force of Nature. Double gant radiant. Non mais d'accord. Regardez. Mange des petits oignons. Ouais. Non mais un classique. Genre celui où tu te dis tout le temps genre ah t'es content. Mais pas radiant, oh, pas radiant. Warmog. Warmog, ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est vrai. Et Hoge, non? Hoge, c'est ok. Tu sais, t'as Hoge, t'es en mode cool, tu vois. C'est Kali Spellgrit. C'est toi, Mog, en vrai. Alert, alert. Je joue Vayne, alert. Ferrito. Je joue Vayne ou Super Ferrito? Mouais. Étrange, je pensais que Imso allait dire Shojin. For obvious reason. Ouh là là là.
Hein? Oh là 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 là. Oh les risques. Oh les risques sont pris. Il y en a un qui a dit que t'étais obvious. C'est genre tu joues que Vel'Koz. J'aurais pas aimé. Écoute, je suis actuellement en PLS, entre parenthèses, ouais. Position latérale de sécurité. Ah ouais. Je vais faire de mon mieux pour pas pleurer. Ah ouais, mon furry toe. Ouais, mon super furro. Je vais face 9. Ouais. Je sais pas si je lui mets Hoge, next. Je sais pas quoi faire avec les gants. Hoge, c'est bien. Non, ça. Flexible gamer! Oh, Nautilus, arrête avec ta belle encre! Oh. C'est draconique. En grand premier, jamais slam. Non, franchement, je pense que. Je. Oh la tiringold! Miam, 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 miam! Jamais ça. Hein. C'est le crit. C'est le crit Bane, tu penses? Je pense, ouais. Allez. Oh, peut-être faire un... C'est moi. T'as pris le truc le plus éloigné de faire en sorte que c'est Iris qui est beau. Il y a tout dans mon rack. J'ai même pas fait exprès. Quelqu'un a testé Reroll Vein? Oui. T'as dit quoi? En fait, le truc, c'est que... C'est quoi ton setup? Il est pas mal, non? Mais encore? Comment ça? Mais encore? C'est quoi mon setup? Mais encore? Bah, t'as dit, il est pas mal, mais il demande plus de précision, je crois. Ah oui, mais... Je sais ce quoi. Il manque, des trucs. Les gars, là, le dialogue... Avancez, je veux bien vous aider. Mais... C'est Volta qui aide pas là. Le mais encore, je sais pas quoi dire. Je dois t'aider ou tu trouves tout seul? Ah, mais c'est perforas. C'est-à-dire que. C'est à dire était incroyable. Bah écoute mon furry show. Non mais genre, est-ce que tu penses que je peux reroll là? C'est la question. Volta il te dirait que... J'ai un méga fort de 2,5. Ah, je m'en lasse pas, hein. Depuis 2019 des ventes Volta. Mec il est en pleine réflexion là, tu peux plus rien faire. Je me demande ce qui se passe par sa tête à ce moment là. Tu sais il sait que quelqu'un a parlé. Mais il y a vraiment un knocker mais complet. Le petit singe avec des cymbales, là. Des cymbales. Nice Simpson, là. La tête de merde. C'est ça, hein, je crois. Je sais pas, j'ai... Après, j'ai push... Ah non? Non, j'ai pas push. En fait. Vas-y, bah, je vais tester Vein, alors. Allez. C'est comme ça. Sous les conseils de Volta. Alors, peut-être. Thank you.
La question c'est ouais. Est-ce que c'est Hoge, double spell crit ou Ginzu? En vrai. Niquez-vous, répondez. Ah putain, je m'en laisse vraiment pas jouer. Je pense que... Mais en vrai, tu ferais quoi? Genre Hoge ou tu attendrais Ginzo? Je ne ferai pas assez de dégâts à moins de jouer en 4 rangers. Donc, tu wait Ginzo alors? Oh non, dégoûté Shones. Probablement. Oh, ça, je reconnais. Mais je suis level 4, donc tu veux quoi? Si, je vais Hoge, H. Ojash. Ojash. Ok. Ouais, je pense que Ojash c'est pas mal. Oh, je diff. What the fuck? Nunu allait manger Kalista, il l'a régurgité mid-air. Ok, chef Michel. Elle était pas à son goût. Merci Didobis. Merci beaucoup. Ça, c'est un abomination de personne. Hoge radiant. Pas mal. On va attendre. On tourne et on retourne. Tourne, retourne, comme ça. Une fois. Y'a rien dans Volta. C'est quoi ta tech du cul là? Udyr Blue Buff, on est où? Mm-hmm. Petite ambiance PBE un dimanche après-midi. Mm-hmm. C'est exactement ça. On est bien, bien, bien. Mais je sais pas. Non. C'est pas quoi? Je sais pas si je joue 4 Forgotten. Moi, il faut le 4 Forgotten, mais j'ai peur que ce soit trop weak. Tu veux qu'on joue un petit jeu, Shones? On va compter le nombre de T1 sur ton board. Non mais héros, lâche force comme jamais, hein. Je regarde pas les revers. Après, tu... Ça doit être dès lors que je vais spell crit Vayne, j'ai pas joué flex. Hein. Après j'ai eu 3 Vayne. Je suis bien en vrai. Hein. Turbo open de... En vrai t'as la lenteur. 49 HP en 3-3. En vrai, emblème Forgotten. Ça vit, hein. Il reste des spells Forgotten ou pas? C'est fini, non? Y'a plus, non? Je crois qu'il y a plus, hein. Ah, mais après, il y a Felios, putain. Qui est le quatrième Ranger, là? Varus. Tu sais ce qu'il va check la lanterne, quel frère? Enfin, ouais, c'est incroyable, hein. D'avoir, quand on sera un tout petit peu plus joué, qu'on fera attention aux lanternes dès qu'il y a un mec qui passe en dessous de 40. Ah mais on fait déjà ça. Ah ouais non mais c'est... Ça c'est ça, ça y a un peu. Je crois que c'est un bait, je pense. C'est quoi la lanterne? C'est le truc que je vais avoir là, après ce round. T'inquiète. Je vais le découvrir. En plus, tu vas avoir l'item radio en même temps, tu vas turbo spike. Oh putain, toujours pas.
Goodless. T'as vu les bastos qu'il envoie, les X là? Non. Attends, mais y'a rien là? Ok, Furito. On devrait pas entre Stoneplate et Trap Claw. Elle est bien la Banshee's Claw? Bon. Jamais. Essayez. Je pense que c'est pas ouf du tout. Une envie, mais... Ça me rend, pourquoi t'as pas de dégâts? T'es dans quoi, t'es en full night là? Ouais, j'ai juste une stop. Oh mama, la box. Box into comeback, c'est bon. Too free. Ça fait quoi? 35, 35. Ooh, free, dude. Et voilà. Yeah, money, money. Yeah, my dude. Give it the money, please. Ça sonnait comme une alerte de 2015 sur Twitch. C'était quoi la box, Shans? C'était pas mal de trucs. Ouais. Ok, regardez. Il y avait des golds. Mon Ferrito Bronk, il va falloir perdre des HP pour le découvrir. Hier, tu n'as pas eu H. Get wrecked, noob! Une balade. On me promène. Itilitili. Si je fais Gunblade et Karim, les gens. Il va passer level 3, mais. Ça m'a l'air pas mal ici. On tente ? Non, j'aurais plus beaucoup d'items en vrai. Pensez que Gunblade et Karim, c'est fort si Warmog est niveau 3 ? Pas sûr. Gunblade et Karim. Non. Juste je sais pas quoi faire avec cette gameplay. Bah je pense que c'est pas une gameplay en tout cas. Allez. C'est zap. Mais zap c'est pas bon avec ma compo, parce que je fais des dégâts bruts. Et y'a des. Donc monsieur Chocominou HS. Avant de dire 100%, on réfléchit aux options. C'est qui, hein?
Le Frobo. Oh no. It's not good. Ah, ça va être terrible comme match, passe à 5 contre Ranger. OMG, y'a une spot. Ah, je peux rien en faire, moi. Personne. Spot forgotten? Forgotten. Bon, on s'est regardé, on s'est serré la main. On s'est dit, vas-y, t'inquiète. Je suis mort peut-être, mais... Donc comment la Hoge 5.5, elle est vraiment incroyable hein, la Hoge. Très très forte. Très validée. Ils ont vraiment buff de fou en fait. Mais surtout elle est beaucoup plus viable dans plein de scénarios, ça qui est cool. Pourquoi pas Morello et K? Parce qu'en fait Morello, on veut pas de Morello, parce que MF a anti-heal. Et on, quand on fait Morello, c'est pas pour les dégâts, c'est pour le anti-heal. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Et là, dans mon setup là, je pense que c'est mieux d'avoir. C'est mieux d'avoir Zeke parce que tous mes dégâts viennent de Vayne. Donc plus Vayne attaque vite, plus elle fait mal. Après, là, je suis un peu dans la merde quand même. On va dire. Déjà, on fait top 4, c'est cool. Ça fait quoi Radiant Warmog? C'est 1800 HP et de la régène des HP par seconde. Donc là, vu que je vais faire avec A3, ça va vraiment beaucoup de value. Mais bon, il faut vraiment que je rentre 4 Rangers, je crois. Donc, sinon, on va être très faible. Donc en même temps, il faut que je roll les K, mais en même temps, il faut que je. Dayo next level, quoi. C'est dur. Hein. Oh my god, mais Aphelios, hein! Non mais Aphelios c'est un nouveau champion les gars. Bah ouais, ils ont tenté le rework juste pour le week-end. Et après ils vont collecte de la data. Ouais, c'est quelque chose hein, quand même. Tiens, il a une. Ah mais genre il a de la D, Aphelios c'est genre un bus hein. Je suis plutôt d'accord avec cette affirmation. Alors elle perd. Ça, je Le Lucien il m'a terminé, ça c'est... Lucien il a auto...
que ma veine. Non. Oh, ça c'est vraiment. Ça fait RNG as fuck. Hein. Pian, c'est tellement random comme personne. Oh, ça je reconnais. Oh. Je l'ai 6 là, je pense, non? What the fuck, il a HK2? Mais non! Pas très marrant ce worm. Mais j'allais mourir. Il m'a tenu en vie. Les gars, Falcor le gentil, quoi. Un avis sur ma liste de courses. Elle est top. J'ai raté un truc. Oh, attends, j'ai déjà vu ce genre de game là. Avec Aimer 2 et tout, très bien, t'es posé. Moi, je veux juste trouver un Aphelios. Où est Karim 3 ? Attention. Boum. Ah là là. Ah, j'ai vraiment pas été lucky hein, sur les rôles. Pas si mal en vrai, Vayne, je pense que ça joue. Ça joue. Mais attends, il y a là les... Ah mais en plus t'as pas eu la box les gold là. Moi? Ouais. Encore non. Mais j'ai vraiment eu un start de fou. Ah ouais, moi je vois ça. C'est quoi, c'est... Oui. C'est qui portait les items en haut? J'ai snowball avec un ZX blue buff plus archange. Et Ah oui, ok. Pas mal. Et j'ai fini sur ça. Très propre. Là, je sais pas ce que tu penses de ça. Ouais, je crois que notre Sylvie, ça fait un lobby. C'est lui qui dégage. Ouais, c'est lui. Il prend beaucoup de dégâts AD dans le lobby. Hein. Oh, jure, là, il reste niveau 9. Pour rentrer un deuxième Lissine. Et le BG. Attaque fraîche. Oh. Oh le Ymir, il va faire mal. Oh là là, l'ulti de Rel en plus juste avant. Vas-y Jax. Ouais, la petite Gwen n'empêche... Broken. Elle fait son petit taf hein. Oh mais on est pas loin de Lucian 3 en fait. Oh là là. Attends quoi? Merci pour cette information cruciale. Non, 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 tu laisses. Ou que non. Regarde-le, là, il se souhaite sur le PBE, là. On va rendre avant qu'on ait le Lucian 3, du coup. Pourquoi j'ai le Swiss Pearl?
Le Glass Whisper radiant avec Runan, il est incroyable. Sans Runan, je suis moins sûr. Ouais. Mais pourquoi t'as eu dire au 9 encore, les gars? T'as une spat senti. C'est bizarre, mais bon, j'ai hâte de voir la fin de cette partie. Merci Eriker, merci beaucoup. Je vais tamper un tour, j'ai envie de savoir ce qu'il y a dans la lanterne. C'est bien parce qu'on voit plein de trucs, les gens. Mais j'ai l'impression vraiment que le set va être cool, hein. Mais, oh putain. J'y crois, tu vois. Après, je pense qu'on va trouver une bonne combinaison d'objets qui va faire qu'un champion va être fort en particulier. Mais tant que... Enfin, je sais pas, tant qu'on le voit pas, en vrai, ça a l'air d'aller, hein. Mais ça vient surtout dans les premières journées du jeu. Quelques mystiques en plus, hein. Ouais. Après, sur les premières semaines, c'est normal qu'il y ait des patchs, mais... En fait, je vois pas avec Radiant... En fait, avec leur changement, ils ont beaucoup de bases de champions du 7-5, déjà. Donc, il y a beaucoup de champions qui sont les mêmes, déjà. Et... Donc, il y a des champions qu'il faut pas trop équilibrer, quoi. Ils ont pas changé trop les items, mais ils ont changé les items... Ils ont viré l'item maudit. Les items radiants ont l'air d'être forts pour la plupart sur les champions qu'on connaît de base, quoi. Enfin, y a aucune surprise, quoi. Tu veux y croire, au fond de toi, t'y arrives pas. Ça s'entend. Bah, mais mec, c'est... Parce qu'on a été déçus déjà une ou deux fois, quoi. Mais là, je trouve que... Enfin, tu vois, les gens jouent des trucs qui ont du sens et qui sont pas trop cheatés. T'arrives à comprendre aussi, ça, tu vois. C'est Glodien. Je pense qu'il y a peut-être dans les compos style Sentinelle qu'on connaît. Par exemple, Sentinelle, on connaît moins. Je pense qu'il y aura peut-être des techs Sentinelle. Un bon stuff de Lucian qui va le rendre très fort. C'est plus ça, quoi. Il y a beaucoup d'unités qui sont déjà là, quoi. Moi, je te voyais gagner ce match-up. Ouais. Ouais. Bon, par contre, le Lucian. Déjà, le Galio à tuer, c'est compliqué. Ouais, ce que disait Imso, je suis un peu d'accord. Genre, Galio avec des items, c'est vraiment quelque chose, quoi. Ouais, sans c'est... items, c'est nul à chier. C'est pas le vieux Taric d'avant. Ouais. Il faut qu'il y ait du guerre. Ah, Sunfire, elle met bien donc, le Galio. Oh là, il meurt! Oh! Oh! Oh le. Oh le Lucian Carou. Si on a un, je lui laisse, je pense, mais. Moi, j'ai fait Lucian 3 hier, j'ai fait une petite game et j'avais. Quand j'ai joué 9 sentinelles. Avec Lucian 3, ça, c'était ok en vrai. C'était ok, mais 9 sentinelles, c'est vraiment pas la peine quoi. Mais c'est comme Skirmish, hein. Je pense qu'on n'a pas obligé d'avoir les 6 Skirmish. Hein. Oh. Oh mamacita! Oh, it's time. C'est vraiment très fort. Hein. Genre, chaque shot. Et 50% de son AD, et du coup il est level 3 donc il a masse AD, et deal 200 magic damage en plus. C'est un délire! Last Whisper, une âne, oh, ça va être chaud. Hein.
Oh là là. Oh là 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 là, poil de cul. Et let's go la lanterne. Oh. Ah, ça met bien ça. Ah, du coup, peut-être que rentrer. Non, on peut pas. Sinon, il y a 4 canonniers, mais je pense que tu peux pas 4 canonniers. Le mystique est pas si mal. Ouais. Aïe aïe aïe. Ah oh, c'est si serré, what the fuck. T'es, il perd 70% de son armure, c'est ça? Pas si fort Lucian 3, bah après les gens en fait la Lucian n'a aucune synergie et qui l'aide vraiment. Alors, il a juste 2 canonniers et 3 sentinelles. Tout le reste, c'est de la défense. Je pense que si tu le mets en 6 sentinelles ou en 4 canonniers, il est 1000 fois plus fort. Mais en même temps, il se fait OS par humeur. Donc, ça va pas le coup. Donc, quoi, hiverne ? Moi ? Ah ouais. Il manque rien. Je suis juste en train de réfléchir si je peux l'induire ou pas. Voilà, lourd. J'ai rajouté un vote 2, j'ai cut 2 mystiques qui servent à rien donc. Si ça passe pas, c'est cool. Ouais, lourd, s'il est bien positionné. Hein. Je pense que là, c'est gagné. Hein. Il y a tout dans l'ours. GBG. BGG. BGG. BGG.